Straightforward. Alors, Straightforward, c'est une nouvelle émission, bien évidemment, qui pour tour à tour animée par moi et Abhijit Ramsaran. Donc, à mes côtés, Kanen Chelemwam, qui pour le consultant sur ce plateau, le chroniqueur épique. Kanen, bonsoir. Bonsoir Thierry et bonsoir mon camarade Chefis qui peut suivre nous. J'espère nous être fidèles jusqu'à la fin de la saison et nous essayer de gagner la vie ensemble. Effectivement, donc ça c'est bien dit, hein? Direct to the point, mon dieu, Kanen. Yes. Donc, Kanen, Straightforward, c'est une émission qui nous pensait, qui nous pensait ensemble. Et dis-moi un petit peu, qui nous capable d'attendre dans cette émission-là pendant toute l'année? En fait, Thierry, dans l'émission-là, nous pouvons essayer de la côte des bonnes portants et nous À connaître dans l'ouverture. les courses. Dans les courses, on est un favori, mais bien souvent, favori gagne batté. Donc, là, côte limite intéressant et le plus difficile aussi, c'est Road Man Outsider. Là, c'est un peu nos objectifs, essayer de trouver un outsider, essayer de guider Dimoun, le souvent cheval. Peut-être qu'il ne pas trop causé, mais en fait, quand on rentre dans les courses, et par rapport à rating, par rapport à ce poids, en fait, tous ces chevaux qui rentrent dans les courses, tout à l'heure, dans le même sens, normalement. Mais on est un favori pour la côte. Mais nous pouvons essayer, comme on nous dit à chaque fois, essayer beat the odds et trouver un petit cheval. D'ailleurs, c'est ça le tagline de l'émission Straightforward, we beat the odds. Donc, toutes les semaines, nous pouvons essayer éventuellement beat the odds Canen. Une première journée, donc enfin, ça va arriver ce samedi 15 mai. Donc, cette première journée qui comprend 9 les courses finalement, on nous rappelle qu'il y a une course, la 7e course qui est split en deux. Donc, 9 les courses au programme. Programme pas mauvais, 79 partants au programme. Trois emergency accepteuses également. Nous constatons qu'il y a également une écurie qui ne tient bien Trump Card. Canen, sur l'ensemble de ce programme, neuf courses au programme, nous a dit Vous pensez qu'il effectivement, vient Thierry, d'étouffer ce vous pensez programme. que nous avons un bon programme avec, en fait, si vous êtes bien, oui, on a un favori dans les courses, hein, mais quand vous êtes les courses là, bien dans le fond, mon favori là, pas nécessairement, finit gagner les courses. Et donc, oui, il y a un programme bien étoffé. Malheureusement, les forces sont à 2,50 m. Et par exemple, vous trouvez un cheval qui n'a pas gagné place dans les courses, c'est Silver Heritage, parce qu'il nous a une course de sa distance. Hein, donc, 365 mètres, il galope avec seulement 8 portants. Mais, pas avec la qualité de chevaux qu'il a dans sa man rating, dans sa fourchette, sa man les courses. Hein. Bon, avec si tout bon acteur, je le jeune, nous pouvons gagner les courses. Hein. Effectivement, il nous rappelle également que la piste est molle en ce moment à 2,9 unités. C'est la lecture du pénétromètre ce matin. Donc, piste molle à 2,9 unités. Canen nous rentre dans le vif du sujet. Canen nous analyse course par course, mais nous plus analyse également les cotes des partants. C'est pour ça qu'il nous faut beat the odds par la suite. Canen, cette première épreuve, le Grand Prix du Champ de Mars, elle découle sur 1450 mètres, rating 0,20, qui ne réunit 10 partants. Nous rappelle qu'il y a un Emergency Accepter également dans sa découle-là. Alors, le 1, Internet Kid. Le 2, Opag. Le 3, Yankee Force. Le 4, Daredevil Aviator. Le 5, Minalouche Venture. Le 6, The Riddler. Le 7, Valrin. Le 8, Double Gratitude. Le 9, Chap-Trap. Le 10, Xanthus et éventuellement le 11 Real Vision qui est Emergency Accepteur de cette épreuve. Canen, 10 partants pour débuter cette journée inaugurale, cette première épreuve réservée à un cavalier mauricien. Tout d'abord, Canen, avant qu'il nous analyse ma chance des uns et des autres et des cotes dans sa découverte, un rapide mot sur l'ensemble des 10 partants qui peuvent évoluer dans sa découverte. En fait, Thierry, quand vous êtes sur les courses, et me trouvez le fond trop net sur les courses. C'est Minalouche Venture, d'après moi, qui poussait sortir le devant. Et après ça, c'est tout bon cheval qui vous suivent de l'arrière, qui vous essayez de l'arrière. Donc, quand la ligne est un peu plus difficile, quand aussi la ligne, quand nous tirons la ligne, peut-être quand il y a un cheval là-dedans qui vous favorise les courses, qui gagne une mauvaise ligne, tout le monde, la ligne là, mauvaise. Mais en fait, quand nous pouvons expliquer tout à l'heure, nous pouvons dire que finalement, la ligne là, c'est une bonne affaire pour ce cheval-là et peut-être les courses. Effectivement. Donc, Canen, nous pouvons maintenant proposer, nous guette la cote dans sa première épreuve-là. Donc, si le réalisateur capable propose nous la cote des partants dans cette première course, nous constatons qu'il est déjà dans cette première épreuve. Nous avons un favori, c'est ce numéro 2, Opag Canen, qui est favori de cette épreuve. Yashine Mamdi en selle, 11e couloir, vous pensez, où tu fais cause Lola, c'est le favori de cette épreuve. Malheureusement, sa 11e ligne-là, tout le monde pensait qu'il est capable d'avoir un gros désavantage. Mais où dire,
pas nécessairement un gros désavantage. Oui, effectivement, Thierry, quand nous guettons ce délai coup, c'est galopé Maurice, il y a tout ce point. Mais Canen, faut aussi nous constater qu'éventuellement, effectivement, pardon, qui au PAG peut travailler comme un petit champion en ce moment. Oui, effectivement, et en fait, Yashin qui peut occuper à l'entraînement, la population, c'est Yashin qui monte. Je l'entraîne de façon un petit peu à la manière de Patrick Singh. Si vous remarquez à chaque fois, et il descend à la descente. C'est une référence que vous pouvez faire. Effectivement, nous devons expecter quand même qu'il y ait au PAG pour monter. Par rapport à ce qu'il peut démontrer à l'entraînement. Et c'est un cheval qui, vous trouvez de toute façon sur les coussins, qui va dire, oh, la ligne, elle est forte. C'est aussi un peu de son avantage parce que les poussins restent derrière, peut-être, pour la guerre devant. C'est minimaliser l'adventure devant, pour manager le cheval, pour essayer la guerre, trouver une position. Il dit, Yassine n'est pour pas use ce cheval dans la première la montée. Et à partir de la route, pour moi, when he move, he will come over them. Dans sa course-là, Canen nous constatait qu'il très bien coté également, c'est ce numéro 3, Yankee Pose, avec Rakesh Bhagirathi, sa deuxième année là, probablement, fait qu'il est le favori de la course. Oui, il est le favori, pas oublier qu'il y a Yankee Pose une castrée durant l'intersaison. Mais c'est vrai qu'il y a une longue période pour référer, il travaille bien à l'entraînement. Mais pour moi, et si on compare la course de Yankee Pose avec The Riddler, par exemple, la dernière fois, et The Riddler qui peut vendre à 700 roupies, donc pour moi, The Riddler, c'était peut-être la meilleure offre de Salé Koussa par rapport à Yankee Force. C'est vrai, Riddler aussi, il y a une mauvaise ligne. Mais comme on dit, oui, Nancel, c'est vrai qu'il peut être pour aller devant Riddler, pour être, peut-être lui, la chance, gagne une position derrière Mina Luz Ventia par rapport à l'important qu'il y a dans Salé Koussa. Donc, si Rama réussit pas sur ce cheval, deuxième ou troisième position, pour moi, la dernière fois, Shugete, c'est lui finalement qui peut gagner le first run, c'est le fallait Yankee Force. Parce que la dernière fois, c'est Yankee Force qui gagne le first run d'Oli. Donc, pour moi, si Mopugod, vous pensez Riddler peut-être une meilleure option par rapport au prix comparé à Yankee Force. Et Yankee Force, nous constatons sur la balance, il a dit 11 kilos, donc la castration probablement qui n'a cet effet-là. Oui, c'est riche, mais c'est moi Yankee Force, nous avons dit à Floréal en bas aussi déjà après sur castration. Les types Z-Joker en bas, et qui normalement, quand on castre un cheval, c'est faire l'hymne un petit peu plus calme. Donc, mais c'est mon conseil, il porte un peu ce nom, c'est Yankee Force. Donc, mais pour moi, comme je disais, si maintenant vous choisissez entre Yankee Force et The Riddler, si jamais au parc, pas confirme ce qu'il a démontré à l'entraînement, pour moi, peut-être à 700 roupies, Riddler reste une meilleure option. Pour ça qu'il nous trouve à l'entraînement aussi, Thierry. Oui, éventuellement, Canen, de Riddler à l'entraînement, c'est. Très bien. D'après mon information, vous connaissez Ravi Rawat, tu peux donner un petit coup de main au niveau de soin à mon cheval de l'équerrier à Tchan. Il paraît qu'ils arrivent là, c'est un petit problème musculaire au niveau de ce licou qui se dresse et trouvé. Et quand il travaille, pour moi, il y a un galop de Zaridla qui est impressionnant. Voilà, un galop qui nous peut trouver à l'écran, c'était le 4 mai dernier. Avec à son intérieur Adamo, mais à l'extérieur, c'est Kamadeva. Kamadeva, c'est à partir de 300 mètres, et vous pouvez être Riddler qui fait par rapport à Kamadeva. Donc, vous trouvez Kamadeva, puis aller dans ce rythme, et Riddler aussi, et Raman pose sur la main, et il peut suivre les foulées de Kamadeva, et ça, depuis 300 mètres jusqu'au poteau du 800 mètres. Donc, pour moi, avec un galop pareil, The Riddler reste un danger pour Opak, surtout si, tactiquement, Raman prend le first run, et qui, au parc gagne un trafic problème qui ne pas trop quoi pour gagner parce qu'il faut faire wide pour gagner. Donc le danger pour au parc The Riddler.
Voilà, ce qui est dit pour sinon, cette... Sinon, Thierry, une information importante que tu nous indiquais, c'est qu'au parc, les Pougaloups sans les Sabrinkers, cette fois-là. C'est une bonne chose. Qui... Voilà. Parce que la dernière fois, tu suis un peu trop près. Un peu trop près, et tu fais 110 pieds, et ensuite, et tu peux hang dans la ligne droite. Mais malgré ça, il n'y a pas une mauvaise course. Voilà, Canen. Donc, c'est tout dit pour cette première course. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve au programme donc, de cette première journée. The Liquid Motion Cup, une course sur 1400 mètres, rating 0,26. Je vous rappelle qu'il y en a 10 partants dans cette course-là. Le 1, Fundraiser. Le 2, Giratorio. Le 3, Sandpath. Le 4, The Gypsy King. Le 5, Volatile Energy. Le 6, Winter God. Le 7, Zen Zero. Le 8, Grey Again. Le 9, Crushing Force. Et le 10, Seventh Express. Canen, 10 partants dans cette course-là. Quand nous, tu peux guetter la première course, où tu peux dire, peina beaucoup, pas d'après où dans sa première course, mais dans la deuxième course, paraît que le pape est un peu plus sélectif. Effectivement, Thierry, mais avant d'aller à la lecture de sa course, il y a une information importante qui nous lie des surfaces, c'est par rapport à ça l'année-là, après ma nouvelle régulation, ma directive qui dit, rien à voyer, donc tout le monde cheval qui est infiltré, et vous trouvez le programme, et une indication. Dans la première course, c'est bon qu'il nous dit quand même que Minalus Venture, Valerine et Chattrap, c'est ban cheval qui finit infiltré. Et je connais Thierry, il y a une petite affaire qui m'a fait content par rapport à ce qu'il m'a donné, c'est par rapport au time factor. Dans la première course, c'est Valren qui a le meilleur time factor de la course. D'accord, Canen. Donc, c'est ça ma information importante qu'ils ont besoin de retenir dans ça, à l'émission-là. Canen, cette deuxième course, Motivé Diali, beaucoup de pas à prévoir. Oui, effectivement, avec on a quand même Crushing Force dans les courses, on a Volatile Energy, on a The Gip Seeking. Et on a aussi et peut-être Zen Zero qui est capable de rentrer avec eux devant. Donc, on a beaucoup pas, et ça l'est pour ça. Pour moi, là aussi, pareil, je sais que moi, au parc, il y a 11 bandes finissières. Et mon pensée, moi, et bande favori de ça l'est pour ça, c'est pour bande jockey, peut-être pour bien faire preuve d'intelligence sur les premiers 300 mètres. Et, justement, avec le jockey, nous constatons que Stephen Donohoe, pour être son premier la montre dans ça l'est pour ça, c'est Seventh Express. Il n'est pas gâté pour ce premier la montre parce que Seventh Express reste un coursier caractère. Effectivement, Thierry, il n'est pas fait un bon Boyer Trial au Sean Moss avec Seventh Express. Il n'est pas fait un Boyer Trial, il vous a dit un bon course. Non, il n'est pas gagné un peu de difficulté avec ce cheval-là. Nous, tout connaît ce cheval-là, il est tiré. Et... Bon, quelque part, nous prenons le binocle au-dessus, nous poussons à guetter comment il manœuvrer avec son expérience qui est dans loin de ce cheval difficile. Pourquoi ce n'est peut-être une avril, pour guetter un cheval avant Thomas Henry, venir en bas, et guetter un peu comment il comporte. Et peut-être qu'il travaille un peu sur fitness avec Seventh Express. Éventuellement. Allez, nous prenons connaissance maintenant la cote des partants dans cette deuxième course. Donc, les courses, cote nous trouve pas moins de 3 chevaux qui étaient d'assez près au niveau de la cote, notamment Giratorio qui est offert à 350 roupies, Stenpoff à 330 roupies et également Crushing Force qui est également très très bien coté dans cette épreuve, 330 roupies. Donc Crushing Force qui est un last time winner, Stenpoff qui est un cheval qui est bizarre triomphé l'autre sa dernière sortie et Giratorio un cheval qui a une solide préparation en vue de cette épreuve. Canen, peut-être nous commence par Stenpoff, un conseil probablement, tu faisais gagner l'autre à gagner sortie si la selle dimanche ici, partie déplacée, aujourd'hui offert à 330 roupies. Quelle lecture de la cote? Effectivement, Thierry, mon père depuis mardi, et mon cause Saint-Poff, et probablement. Bon, pour penser, c'est l'effet Canen, parce que depuis mardi, le cause lui. Comme on est tiré à la ligne là, mon épée. Réfroidi. Voilà, mais finalement, on parle d'homologique par rapport à Saint-Poff. Et oui, il a une mauvaise ligne, mais quand il y a 4 chevaux ou 5 chevaux qui vont devant dans les courses, forcément, comment on veut dire, l'intelligence de Sunaram, l'ici, il peut tester dans les courses. Mais le poids de Saint-Poff aussi, pas terrible. Et il prend un peu de poids. Mais malgré, 24 kilos de la balance. Oui, mais malgré ça, beaucoup garde. Parce qu'il me dit de toute façon, pour moi, Saint-Poff, s'il est gagné d'un effort, il n'est pas toujours capable de sa rating de 20-0-26, il est capable de B36. Voilà. Donc déjà, le valet, mon poil pour Saint-Poff. Mais quand on regarde la côte Thierry, et avec 3 chevaux à 300, 350, 330, on trouvait quelque part c'était une course finalement assez ouverte. Tout coup dépend comment les courses a déroulé. Par rapport au travail à l'entraînement de Saint-Poff? L'immédiat travail d'un galeux de Saint-Poff qui voilà. C'était intéressant. C'était mardi. Vous pouvez être Sunaran à l'intérieur au Saint-Poff et vous pouvez être la tête de cheval là aussi. Et vous pouvez être Sunaran, il est vrai, il peut hang un ticket à l'intérieur.
Mais le cheval, en fait, il peut sortir sur la rane pour aller. Et il est accompagné de Silverson. Mais au bout de la rane, il peut essayer de faire le contrôle. Mais le cheval, il peut prendre, il peut aller. Et il peut continuer à aller, il peut garder sa momentum là. Depuis peut-être 1400 mètres jusqu'au peut-être 800 mètres. Et pour moi, sa forme là, et c'est un peu étonné par rapport à ce poids. Et par rapport à l'étang qu'il peut faire de ce travail là. Mais à cause de ça, qui me parle pour ce qui est content au départ, donc sympa, ça allait comme ça, malgré la ligne. Oui, vous pensez, malgré l'année justement, Canen, cette ligne-là, Saint-Paul nous connaît, Saint-Sival qui faisait galoper un petit peu cachette dans les courses pour ne pas tirer avec cette dixième ligne. Ou pas pire, il pas réussi, trouve les deux tout Moi, dans les encore, les deux là, l'éclair est net, qui c'est divisé par les deux volatiles énergie de ça allait comme ça. Donc, s'il prend les aussi deux. près. Suivez-les, donc suivez-les. Vous l'attendez pas mené dans une position que vous avez été. Il ne pensait pas bousquer ce cheval. Mais tu connais avec il est vrai que vous avez 56 kilos, mais avec 2,50 m de force, dans le graveyard, comme on appelait, si vous servez au cheval dans sa position là-bas, donc quelque part, vous prenez une finisse émoussée. Donc pour moi, il faisait monter un négociant intelligent et Pritam un jockey. Donc je pense que Pritam guide-les dans sa ça. Et il prenait un bon pas, donc il est vrai que tout le monde sait qu'il peut trouver sur la rana à l'entraînement paraît tirer un peu. Donc, mais là, avec un peu pas de salé pour ça, faire de Saint-Paul, mon favori. Mais il y a un cheval qui m'a bien, bien payé de salé pour ça, Thierry. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'adversaires à Canen. Il n'y a pas que Saint-Paul qui peut gagner cette course. Il y en a un nouveau dans sa course à Canen. Il y en a trois nouveaux dans sa course-là, notamment Giratorio, The Gypsy King et Winter God. Peut-être nous causons en premier sur Winter God, Canen, un cheval qui est présenté par Amar Soudial, qui affiche une très bonne forme à ce qu'il paraît à l'entraînement. Ride en selle. Il paraît être bien playé à l'entraînement. Effectivement, Thierry, ne pas oublier que Winter God, quand il vient là, il y a encore une médaille. C'est un cheval qui je ne paye quand même pour un bon, je ne dit, pour un bon prix. Et c'est bien similé au sein de l'écurie Amar Soudial. Et ce cheval-là confirme beaucoup de choses à l'entraînement. En fait, si maintenant, pour comparer Winter God par rapport à des nouveaux qui n'ont pas pour ça, c'est lui qui peut montrer plus de maturité. Il fait ce qu'il doit demander. D'ailleurs, si nous sommes capables Oui, et de gagner Enzo Mangalo, Ngannou qui lui justement, paie le qui septième. Oui. choisir pour Winter God. Donc, Winter God nous rappelle, hein, c'est une nouvelle unité de l'écurie Amar Soudial, donc qui peut monter par Ridewan, un jeune coursier hein, de 3 ans qui, dès son début-là, pour équiper Nessa Dwingers. Nous rappelle qu'également, il s'est fait une Boyer Trial, mais très tôt durant l'année, c'était en Moss C'était en mode, qu'il oui. s'est Mais fait je une pas, Boyer pas Trial. fait un mauvais boy trial. Tout à fait. Mais moi, c'est un galop qui me guette vraiment quand il me plaît à moi. C'est ce galop qu'il fait le 27 avril à l'extérieur d'Apollo Store. Et quand il fait l'easy. C'était le 7 mai avec Apollo Store. Oui. C'était vendredi 7 mai. C'est un autre galop qu'il fait encore le 27 avril avec OK. Apollo Store. Donc, pour moi, c'est impressionnant ce jour-là. Et vous remarquez, souvent, son tendance testé avec Jetstream et bon, c'est vrai, et Lynn Ripon. Il fait tout, mardi, Lynn testé avec Superstitious. Oui. Donc, là aussi, vous trouvez dans la ligne droite, Lynn Vini, tranquillement, il fait ce qu'il a besoin de faire. En fait, il peut montrer beaucoup de métiers, ça, ce cheval-là. Il m'a pensé, moi, à 600 roupies. C'est un bon place bête, probablement, ou un bon bête même, si jamais, ou pas content, et sympa par rapport à la Parce ligne. qu'il nous connaît, que Winter God, c'est un finisseur. Donc, En fait, probablement, le pas de la course capable de... Comment vous dire, le métier des jockeys pour important dans la salle des courses. Et Rai Durawan, c'est un jockey qui connaît les courses. Donc, je ne sais pas quoi, Rai, il peut aller mêler à Banal, il peut redescendre une position midfield. Il connaît qu'il est en Bali, c'est un jockey qui a un métier. Donc, il connaît qu'il est en Bali, il est very happy with the horse. Donc, pour moi, ici, un peu pareil, il peut suivre, il peut lire les courses, comment a déroulé. Il connaît ce Saint-Paul ou devant lui ou Giratorio pour là. Donc, les poulies, les courses, pour moi, les poulies terminent bien. Et si c'est un poste français ou Sunaran forme une mauvaise décision dans les courses, pour moi, c'est lui le cheval là-bas. Dans sa course là, Canen nous fait dire qu'il y a beaucoup de pas dans sa course là. Crushing Force reste un des possibles front-runners de cette épreuve. Tejash Jugal en selle, quatrième ligne, 57,5 kilos. Un coursier qui gagnait d'entrée l'année dernière, qui fait l'écurie perdant Caspicio, nous a dit l'année dernière. Crushing Force cette année, il nous joigne le yacht de Jean-Michel Henry. C'est un cheval qui l'improuve, nous a dit à l'entraînement. Personnellement, est-ce que vous comptez en ligne dans sa course là, surtout au prix de 330 roupies? Bon, mon content, c'est un pauvre, mais moi, tu peux expecter Crossing Force une galopée la semaine prochaine, en fait, Thierry. Mais ils sont en train d'essayer pour mettre tout dans sa lèvre ça, peut-être l'indice 15-026, meilleur 15-025 par rapport à une première sortie, sa forme, ce cheval, qui a officiel à l'entraînement. Connais qu'un cheval,
dans l'écurie pendant une saison, un cheval vient gagner, nous montrons quelque part valeur ce cheval-là. Donc pour moi, Crushing Force bien avantagé dans le sens qu'il vient gagner et il prend point. Parce que c'est la dernière journée. Donc il reste dans sa classe ça. Donc pour moi, si vous avez un travail à l'entraînement avec ce foulé, à chaque fois qu'il va le développer, y aller. Donc là, avec Salani là, mon pensée, moi, c'est lui qui va le devant. Parce que moi, je trouve que Gipsy King, qui a une couleur l'intérieur, insisté pour garder la ligne. Et pour moi, si Crushing Force est devant, mais comme on nous dit, il y a beaucoup de flyers. Oui. Mais si vous avez Crushing Force sur le premier des courses, il tire dans les courses, ça fait green, dans la ligne droite, les green, malgré sa ligne, il découvre ça. Ça, c'est un signe d'un bon cheval. Donc, pourquoi la dernière fois, nous, tu fais écouter Nathalie Henry, un des bons chevaux qui sont bien estimés au sein de l'écurie Jean-Michel Henry. Et si vous dites Jean-Michel Henry, mettez-le dans sa ligne ça, malgré la présence de ce cheval comme Saint-Pauve, qui est peut-être une classe là-haut, et même Wintergod, vous pensez, l'Inde Wintergod travaille, et l'Inde Giratorio travaille, donc l'IPC prend ce sens. Effectivement, Canen, Crushing Force, qui reste une possibilité à 330 roupies, overvalue, undervalue ou. Je pense que c'est un côté un peu normal par rapport à Crushing Force. Mais parce que c'est un lost time winner. C'est un lost time winner et c'est un peu mal sensé. Donc, on me dit, oui, les coussins paraissent assez ouverts finalement. D'accord, Canen. Dans ça, les coussins, moi, tu peux dire, dans bon chevaux bien côté, trois chevaux bien côté, nous constatons que Giratorio, c'est nouveau de Vincent Lette avec Ben Orfeder, deuxième ligne, est également très bien coté dans cette épreuve. 350 roupies, cote SMS Foyers. D'ailleurs, nous trouvons la cote de Giratorio donc à l'ouverture des paris à 350 roupies. Canen, on a tendance à dire, si nous faisons choisir de nouveau, si nous faisons choisir peut-être entre Giratorio de Gypsy King et Winter God, moi, je choisis Ben Orfeder, deuxième ligne. Moi, encore, deuxième ligne, un problème, Thierry, par rapport à Giratorio, quand nous faisons ce boy à trial, quand nous faisons ce qu'il peut faire 10 dernières semaines à l'entraînement, quand il peut tirer beaucoup. Et la deuxième ligne, donc, bon, Fedeb, si, mon père Fedeb, intelligemment, pas poil low bord dans les courses. Si à low bord, finalement, il brille sous ce sens, il peut tirer, il peut larguer au cheval là. Pour moi, il faisait un reste 1-9. Ça me dit, moi, oh, les premiers 300 mètres, c'est bien crucial dans les courses. Et Fedeb risquait de soigner tout du monde. Ça veut dire ça, pour grand gabarit, ça, cheval là. Et Giratorio, c'est un fils de Oratorio et Girolata. 100% disant irlandais. Et oui, j'étais au sein de l'écurie Vincent Allais, je pensais que ça soit là pour aller bien loin, même si tu peux aller la semaine dernière, que ça soit là pour aller loin. Quand on regarde sur Bangalo, Thierry, il fait les 1000 mètres en 1.04, 1.05, 1.05 assez facilement. Il termine sur Bangalo sous les 24 facilement. Mais moi, mon corps, pour sa première sortie là, il risquait de tirer. Et là, à cause de ça, il m'a choisi Wintergod devant lui. Nous avons l'occasion de trouver ce barrier trial, Canen. Comment on juge le barrier trial? Oui, effectivement, nous sommes. Qui tient à Pag of Tricks et Twist of Fate également dans le barrier trial. Oui, de ce barrier trial, même qui me commence à poser la question par rapport à est-ce qu'il nous get les galopés premier sorti, après nous suivre à partir de là, c'est quand il tirait bout en bout, tout au dîner, c'est pendant l'eau là, depuis 800 mètres, 600 mètres. Mais malgré ça, l'idée est maintenant dans la ligne droite. Donc ça, c'est une preuve qui a les qualités pour bien faire au champ de Moss. Mais est-ce qu'il nous prend Giratorio à 330 roupies pour une première sortie ou nous prend Wintergod qui nous si bien travaille et qui peut montrer beaucoup plus de maturité que Giratorio à 600 roupies? Jurawan, Fedeb, mon pensée, moi, je parle pour Wintergod devant Giratorio, mais mon God s'importe toujours la première place. Donc 175 roupies Wintergod au place côté SMS Foyers, un bon placement. Oui, il y a un bon placement. Il y a tous les bandes qui sont contents de jouer les Vépilés, bah, placement. Il nous rappelle qu'il est bépilé, commencé demain, côté SMS Foyers, demain soir. 50, vous pensez, mon conseil, Ban Service, quand même, un petit 50 roupies tout le winter, il peut être bon les coups. C'est un cheval qui, vous pensez, tout comme Giratorio, c'est pas Ban Cheval 026. Effectivement. Canen, un petit mot par rapport à Time Factor et infiltration? Oui, effectivement, Thierry, par rapport à Time Factor, ça les pousse ça. Et on a Saint-Porte qui a le meilleur temps. Meilleur temps par rapport à ce 60 kg qu'il tient initialement. Oui. Donc là, avec une remise, il prenait encore meilleur encore les temps. Meilleur les temps ouais. Et au niveau de l'équipement, le truc qui Zen Zero, il pégale seulement avec le Nose Bend. Et au niveau infiltration, un seul cheval là-dedans infiltré, c'est Seven Express. Donc, hausse de PC, peut-être être le jockey aussi par rapport à Seven Express. Justement, par rapport à Seven Express, un petit mot, d'après vous, que ça les capables de galoper dans ça les pour ça quand même? Mais lui, c'est pareil, c'est un cheval qui, de temps en temps, galope des autres, il m'y il tire. Moi, mon corps, jockey là, pas le fin de l'étour pour venir, il peut essayer de prendre la piste. Je connais tous les jockeys qui viennent Maurice, tout nouveau jockey. Et à moyenne classe à Paul, il peut monter un cheval qui est trop fort pour cette catégorie. Mais peut-être qu'il va laisser
gain sur man repel la piste San Bosco parce que ou pas comme ça superstition là quand même tout nouveau jockey gain comment venir deuxième course oui de temps en temps mais pas nécessairement tout le temps oui mais oui quand même arrivé oui pour moi il arrive que man jockey comme une est quand venir comme un coup c'est man jockey qui déjà qui nous a monté là oui mais c'est un bon jockey vous pensez nous get lui de ça moi pas tout lui gagner en fait de ça là. D'accord, c'est dit pour cette deuxième épreuve Canen. Nous parlons maintenant à la troisième course de Full Charge Cup et des courses sur 1400 mètres, benchmark 36. Je vous rappelle qu'il y en a 10 partants dans ces courses-là avec un emergency accepté également. Le 1, c'est Apollo Star. Le 2, Memphis Mafia. Le 3, Duodare. Le 4, Badawi. Le 5, Double Games. Le 6, Kingsman. Le 7, Borgia. Le 8, Rockmana. Le 9, Star of Zeus. Le 10, Ziggy Zaggy Zuggy. Et le 11, qui est l'Emergency Acceptor, pardon, c'est Paddington's Luck. Donc, 10 partants au départ de cette épreuve. À première vue, Canen, qu'on trouve qu'un entraîneur, dès la première journée, utilise un trump card, ça lance des signaux faux. Que ce soit nous, les Turfistes, qui peut trouver ça le programme. Et il lance également un signal faux à mon adversaire. Hein. Effectivement, Thierry, c'est tout gros qu'on peut regarder contre Memphis Mafia, qui a gagné la dernière fois, qui ne prend point. On regarde contre Double Game, qui peut travailler très bien à l'entraînement, qui est toujours un peu causé. On utilise un trump code, 10 pour gagner place pour regarder de saler comme ça. C'est vrai, on gagne bon en ligne. Et on va penser sur les sarangs, donner une indication, peut-être, qu'il y a le retour de sa première victoire très tôt cette année. Effectivement, donc ce Ziggy Zaggy Zuggy donc, qui a obtenu une place dans cette épreuve grâce à sa drop code. Une idée par rapport au déroulement de cette épreuve, Canen, pour n'a pas ou penser dans une course comme ça, parce que quand nous trouvons déjà Badawi dans les courses, nous pensons bizarre n'a pas. Effectivement, Thierry, quand vous êtes, on a Badawi, on a Kingsman, on a Rockmano. On a même Ziggy Zaggy Zuggy, donc c'est un cheval qui pour devant, donc ça les coûte ça pour rouler, comme on nous dit, à moins qu'il y ait un cheval là devant, il reste pas intéressé, allez, ça c'est notre affaire. Mais c'est un écoute finalement qui pourra rendre un petit peu bon finisseur de la course. Les soutiens qu'un petit coup la côte des partants dans cette épreuve, pour cette troisième épreuve, donc un écoute qui... Nous trouvons Apollo Star déjà à 300 roupies, Memphis Mafia à 300 roupies, Duodare 570, Badawi 550, Double Games 500 roupies, Kingsman 2000. Peut-être c'est une mauvaise indication de la cote. Peut-être là, Apollo Star souris est à 1600, même si c'est 370, Duodare à 330, Badawi à 2500, Double Games à 330, Kingsman à 1600, Borgia également 1600 roupies. Rockmana 1600 roupies, Star of Zeus 1400 et Ziggy Zaggy Zuggy à 450 roupies. Canen, dans sa course là, nous constatons que Duodare et Double Games sont les co-favoris de cette épreuve. Les deux chevaux cotés à 350 roupies. Duodare qui reste sur deux victoires consécutives lors de ses deux dernières sorties. Donc, logiquement, la cote reflète un petit peu ce qui était ces vannes là. Double Games, l'étoile montante chez Vincent Allette, avec un jockey comme Affiliate, 330 roupies. Canen, entre ces deux chevaux-là, ils sont co-favoris, mais bien quand même, Hélène qui sont titulés. Je pense si nous n'avons pas choisi entre ces deux chevaux-là, c'est Double Game par rapport à Ben Affiliate, il connaît ces chevaux-là. Il connaît ces chevaux-là, comment se disent les doigts de cela. Mais donc, la côte est plus intéressante par rapport à Double Game de cette course-là. Effectivement, donc Double Games, Canen, qui nous rappelle sur la balance, il prend 11 kilos, qui est une bonne chose, parce que c'est d'habitude une light frame. Yes, hein? Yes, l'Ibiza grandit aussi, donc Double Game, donc il prend 11 kilos. Et quand il y a l'entraînement, il montre où quelque part bien. Et pour moi, il est le cheval là-bas, dans les courses. Hein. Par rapport à Duodare, Canen, qui est le co-favori de cette épreuve, un cheval qui change d'écurie. L'inérite du 10e couloir, l'année dernière, tu peux monter par Sonaram, tu peux gagner moins 4 kilos. Cette fois, avec Tedja Jugla, pas pour une remise. Il n'y a pas pour une remise, et moi, sur la ligne aussi, est pas trop extra. Et j'ai tout sur mon adversaire pour mieux le tir qu'il est. Donc, oui, peut-être Tedja Jugla peut le découvrir dans les courses. Et
Mais à l'entraînement aussi, il n'y a pas trop tape dans l'œil. Je ne suis pas trop content, moi, à l'entraînement, comparativement à Duodir Moi, c'est et moi, un double game. à Double Game et Zigizag Zubi. Donc, pour moi, c'est un petit peu difficile pour lui dans sa lola. Ntimolo, Memphis Mafia, Kanen, qui hérite Bon. du premier couloir, encore une fois, qui prend un point par rapport à sa victoire de l'année dernière, sa dernière victoire, mais nous constatons qu'il perd 13 kilos le ballon. Oui, même si ça fait un petit 13 kilos, mais nous tout connaissons qu'il est maigre, pas trop content. Fille de Soban beaucoup durant l'intersaison, c'est un peu ce style. Et est-ce que c'est une bonne affaire? Pas trop connu. Il y a des pour nous connaître demain, c'est pas, il y a, samedi, pour pas y a une bonne affaire. Mais le problème avec Memphis Mafia, l'avantage que Memphis Mafia, il n'a pas de ça, d'abord, c'est qu'il gagne, il prend pas de points. Donc, il est galopé dans le même rating de 36, alors qu'il est galopé dans 41. Donc, quand il est là par rapport à Double Game, il dit oui, Memphis Mafia est avantagé. Il gagne bon la ligne encore une fois. Mais le problème avec Memphis Mafia, c'est la première montre de Kone Hofer. Nous, tu connais Kone Hofer pour l'entraînement à 7 heures. Est-ce qu'il est fit pour monter et gagner? Nous, pas trop connaît. Pour moi, dans ce cas-là, on préfère signer ça les courses, les montres ND des courses. Et. L'Ipen betting proposition à 370 roupies, par exemple. Peut-être s'il est baissé au cas, fait un petit bet, mais la 370 comparé à Double Game. Le cheval est bien, le jockey a beaucoup travaillé, Ben Ofedep, et pas bien Ben Ofedep, il se faisait suspendre ça maintenant, il décide pour différer sa suspension. Et Allez, ça va, pourquoi? voilà, et quand on la cote, Vincent Allais, mais quand finalement Vincent Allais, même tout le monde a battu finalement. Et tu peux dire que Ben va pour monter, Ben va pour monter, mais finalement, et un peu sur le cheval, mais là le tout d'un coup, Ben Ofedep peut monter. Donc peut-être même Boumega va encore réaliser Ben Ofedep peut monter quand on peut la cote. Et moi, et bien sûr, quand même Ben Ofedep par rapport à fitness sur le cheval et par rapport à son fitness même, comparé à Cornet Offer par exemple. Dans sa Koussa Kanen, où tu peux mentionner un conseil, c'est Zigizagizugi qui rentre dans sa Koussa avec un trump card. Kanen, un conseil qui coté en ce moment à 450 roupies côté SMS Foriaz, un conseil qui le chevalet 58 kilos, troisième ligne, 450 roupies. Est-ce que vous pensez c'est un bon betting proposal pour une course pareille? D'abord, au niveau infiltration, Thierry nous trouvait que Duodea, Kingsman, Boya, Rockmaner et Zigizagizugi finaient infiltrés. Donc, déjà, c'est une indication claire les intentions de Thierry Snarang. Quand il mettait un trump call, il montrait doublement pour montrer qui est intéressé pour gagner les courses. Et quand on regarde le poids de Zigizagizugi, il prend seulement 4 kilos. Et c'est un cheval qui, lors de ces deux dernières semaines, il montre nous qu'il y a un gros progrès. Et là, nous prenons des courses par rapport à Zigizagizugi, Thierry. Effectivement, donc un écousse l'année dernière, c'était le 6 septembre, que très vite il prend la direction des opérations dans sa écousse là, et il finalement contrôle l'écousse là. Oui, il contrôle les courses avec son compagnon de guerre à son extérieur. Mais derrière, il y a un cheval qui peut suivre, c'est Dynamite Jack. Dynamite Jack pour galoper la semaine prochaine en B56. Il est supposé galoper en B51 cette semaine-là. Et un autre cheval, c'est Best Day of My Life, qui est lui, il y a un benchmark de 41. Donc là, quand on regarde les courses, vous trouvez qu'il montre lui très tenace dans la ligne droite. Il ne possédait que dans les derniers 100 mètres face à Dynamite Jack, qui aime bien mieux ses balles qu'il dit. Et vous trouvez Best Day of My Life, ici, qui bien travaille finalement pour venir laguer la deuxième place avec lui. Donc, si Zigizagizugi répète ça, les coups, ça, Double Game et Ben Ofedep, vous pensez, pour bien travailler pour venir s'y aller. Effectivement, donc, Zigizagizugi, Voilà. voilà, il se fait battre juste de côté pour Best Day of My Deuxième, Life, qui est en quarantaine. pour la deuxième place, si vous voulez. Mais Dynamite Jack, quand même, c'est une sacrée référence. Si vous mettez Dynamite Jack dans les courses comme ça, There's no race. there's no race. There's no race. Okay. Mais là aussi, Thierry, le time factor, Zigizagizugi ne veut pas gagner. Et il est tellement loin au niveau time factor par rapport à Double Game et par rapport à Star of Zest, qui est le meilleur étant dans sa dépôt. Donc, quand on met tout ça là, on pense quand même la balance il y a en faveur de Zigizagizugi par rapport au trump card de Thierry Snarang. Donc, vous pensez au niveau betting, bizarre, capable de soutenir Zigizagizugi, même à 450 euros. Vous pensez oui, parce que pour moi, si Double Game, de toute façon, il est pour devant Double Game tout le temps dans les courses. Et Ben Ofedep, il devrait y avoir un jockey expérimenté, mais de temps en temps, il fait mal erreur. De temps en temps, il retrouve les box. Mais une fois, quand les box, il a envie de sortir, il sortit. Donc pour moi, tout dépend de qui Ben Ofedep fait dans les courses. S'il est sorti, comment il est sorti, et quand il bat Crazy Vision, par exemple. Et des pôles, il panne, il se sépare, il prend l'île et puis derrière, tranquille. Et l'île bousée, quand tu, en fait, toujours pas trop l'île bousée entre 400 et 300.
Écoute, Livigny, les professeurs, le cheval de Crazy Vision, le cheval de Crazy Charlie, et écoute, les gars, les coups, ça. Donc, pour moi, c'est bien offert, monter un coups intelligent, l'époux, derrière Zigizagizugi, mais tout dépend là aussi de Zigizagizugi qui arrive pendant sur les premiers 300-400 mètres. Mais où vous pensez Zigizagizugi capable de suivre de l'oeil? Définitivement, quand même, parce qu'il a déjà triomphé l'année dernière en venant en attentiste. Mais il bat la ratio quand même, qui tient un problème au niveau de sur la langue, tout ça. Mais l'idée, idéalement pour Zigizagizugi, c'est qu'il y a le devant, il s'est sur la ligne, il s'est le devant. Attendons voir. Yes. Allez, donc nous passons maintenant à la quatrième course au programme de cette journée de l'AL Cicerone Cup. Elle est course sur 1365 mètres, benchmark 41. Je vous rappelle qu'il y en a seulement 8 partants dans les courses-là. Le 1, King of Tara. Le 2, Sidance. Le 3, Swag Jagger, nouvelle unité de Patrick Mervin. Le 4, Carlos Mambo. Le 5, Candy Apple. Le 6, Gunstone. Le 7, Jetstream. Et le 8, Honey. Canen, elle est course comme ça. L'IP paraît qui le très capable sélectif et n'a quelques coursiers qui affectionnent la course devant ici. Enfin, Thierry, moi, quand je quitte les coursiers, moi, tu viens de voir qui est plus rapide que tu dis, c'est Gunstone. Et Gunston très bien l'entraînement et souvent travaille avec un Apple Beat. D'ici, il peut descendre place, on fait Gunston. Et pour moi, c'est lui qui voit le devant dans sa pour ça. Mais à partir de là, nous avons été qui arrivait pas de dire. Effectivement, laisse-nous aller un petit coup la côte des partants dans cette quatrième épreuve pour nous constater qu'il y a quatre chevaux très bien cotés dans cette course. Candy Apple reste le favori. Et donc voilà, King of Tara 330, Sidance 330, Swagger Jagger 350, Carlos Mambo 1600, Candy Apple 270, Gunstone qui était à l'ouverture coté à 2000 roupies, ensuite Jetstream coté à 1600 et Ernie coté à 2000 roupies. Donc Canen, Candy Apple à 270 roupies avec cette ligne-là, overvalue. Oui, avec les pacifiers qui travaillent souvent avec ça, nous pas en fait ils pas trop épatent nous par rapport à ça l'équipement là. Mais peut-être l'effet qui c'est l'AL Cicerone Cup probablement à cause ça les favorise ça les course. Ou peut-être qu'il a déjà gagné l'année dernière sur sa fraîcheur. Oui, sur sa fraîcheur, mais de ça là on a quand même King of Tara, on a Gunstone, on a un nouveau côté Patrick Mervin et on a même Jetstream qui est très très bien. Donc pour moi. Peut-être les poules là, mais gagner à 270 roupies, mais vous pouvez donc. Overvalue. Sinon, Canen, dans sa course là, vous constatez que vous pouvez dire que Gunstone, un cheval qui est capable de pousser le devant dans sa course là, nous constatez au niveau de la cote, maintenant côté à 1500 roupies, côté Smith Sparia, The Win et 300 roupies au place. S'il y a le devant dans sa course là, s'il rétro sa vitesse qu'il tient là, quand il gagne ce délai course en 2019. Ou pensez, il reste un bon placement dans sa course. Oui, effectivement, Thierry. Si Gunson, bon, nous trouvons déjà l'entraînement, il est très très bien. Et de toute façon, depuis mars, février, mars, si je fais comment ce travail, Floréal. Lui aussi, moi, pensez, Ravi aura peut-être une trouve un petit bobo avec sa cheval-là, une dressie. Et pour moi, oui, s'il y a le devant et s'il galope sur forme, de façon dont il se fait galoper avec Manuel Ness, pour moi, il reste un danger parce qu'il risquait tout seul devant et faire tout de même. Dans sa course, Canen, une nouvelle unité, Swagger Jagger de l'équipe Patrick Mervin. Beaucoup de nouvelles unités de Patrick Mervin nous faisaient dire, hein, une très très bien travail à l'entraînement. Et Olivier, une tape sur ce Swagger Jagger. Oui, effectivement, enfin, nous avons beaucoup sur le Swagger Jagger et Thierry. Et c'est un bon cheval et qui, quand même, si vous voulez, Swagger Jagger se forme sud-africain. Il y a un qui travaille à l'extérieur de Juniper Lane qui met les blingers dit aussi. Donc, c'est un cheval qui est. Ah oui, comme yearling, il fait une goutte quand même 200 000 rand. Donc, c'est très simé, c'est pas. C'est Swagger Jagger, il porte Patfolk et via Kozakuma, il porte tapis. Et il gagne deux fois en Afrique du Sud avec les ailleurs. Il domine 4-5-6, qui ici, il a une rating de 51. Et vous remarquez aussi le Soforme, qui est une tongue tied, le sur 4 dernières courses. Donc, pour moi, Mayerling travaille à l'entraînement, c'est un des meilleurs chevaux de Samraj qui travaille aussi bien. Mais oui, de temps en temps, les tirer. Mais mon pensée, moi, l'effet qui gagne son bout devant et nous prenons un bon pas. Et lui, pour gagner un bon run. Et Auril, c'est un jockey qui, moi, m'a bien content. C'est le cheval. C'est le cheval et aussi qui connaît lire les courses, qui connaît lire les temps et les courses. Pour moi, quand un jockey connaît lire les temps et les courses dans son mosse et qui vitesse fait aller, quand bien bousé, pour moi,
À cause ça, peut-être qu'il me content sur Gaël Jaguet, c'est par rapport à l'intelligence de Auril et aussi par rapport à la forme qu'il peut afficher à l'entraînement. À 350 roupies, Swagger Jagger, Kanen, overvalue, undervalue ou bien à sa cote. Venez, si Swagger Jagger met les blinkers et tongue tight déjà, et ça montre qui s'en va, pas pévin badiner dans sa lèvre ou ça. Et la cote, prenez la cote aussi, oui, des fois, vous pensez, il y a une indication qui va prendre en considération. Donc, oui, ce travail, et par rapport à l'équipement, par rapport à Auril, et on va dire, un des meilleurs chevals de Samraj à l'entraînement, est très estimé. Moi, pensez, moi, Libren les courses idéales. Deux chevaux très bien cotés encore dans sa course à Canen, King of Tara et Siden. Oui, King of Tara, Thierry, il délaisse sa blinkers, donc il peut mettre les blinkers à nouveau. Et oui, King of Tara, moi, pensez, il va prendre bon les courses, mais la 340 8e, roupies. Avec la 8e ligne, pas trop quoi, avec Gunston devant. Ben betting proposal. Moi, pas quoi, il y a un bon betting proposal. Moi, pensez, Ben of Edep, il y a un manager de choix dans la journée qui peut être intéressant pour lui. Quant à Siden, ça a 330 roupies. Mais Siden, c'est un cheval qui bénéficie au niveau rating, au niveau de l'exercice du révision, que l'IPAN gagnait l'année dernière, donc l'IPAN dit 3 points, limite d'un rating de 41. Siden, si vous basez sur les courses d'ailleurs Idle Secret l'année dernière, que l'IPAN termine à une longueur 95, deuxième, avec 52,5 kg, il est vrai, l'IPAN serait 60,4, donc 56 kg, et donne rating en balle, dans, quand l'étiquette de Idle Secret, c'est un rating de B61. Donc pour moi, lui, bon, il devrait lui travailler bien, mais pas aussi bien qu'il peut incidence en fin de saison. Mais il a un rating de 41, quand, peut-être que ça compense. Il prend 21 kilos sur la balance quand même. Qui bon en fait. Siden, c'est un cheval qui type bien prend poids. Mais Siden, bon, il y a une funny action un peu qu'un pied devant. Mais moi, pensez, moi, Dan Lopare, il y a un bon place bet ou besoin de retenir peut-être de man combinaison quand pour target ça les comme ça. Donc finalement, Kanen, quand on veut saler comme ça, Kendi Apple qui est favori à 270 roupies et trois chevaux qui tiennent les de près, King of Tara, Siden, Swagger, Jagger, 330, en 330 et 350, ou dire préférable de Gunston au place à 300 roupies. Gunston au place, Thierry à 300 roupies, ou peut-être Jetstream. Par rapport à ce forme officielle à l'entraînement, et vous connaissez Rai, pas trop content ces valeurs-là personnellement, mais des streams travaillent tellement bien, Thierry, peut-être c'est le meilleur ces valeurs qui travaille à l'entraînement de côté des guérisseurs idéales. Et si nous ballent. Oui, c'est un cheval qui débute victorieusement l'année dernière, donc peut-être il renouvelle fraîche. Mais si nous guettons sur les courses des All About the Bass, je suis à 365 mètres, que tu termines à une longueur 55. Quatrième, oui. Peut-être si jamais Gunson al Divan, King of Tara décide. Nous allons nous ici ensemble et il est capable de terminer bien et être dans les placés. Voilà ce qui est dit pour cette quatrième course. Nous tournons maintenant vers la cinquième épreuve de Jason Espitalier Noël Cup. Une course sur 1400 mètres. Benchmark 51 avec 10 partants à l'écoute avec également une emergency acceptance. Le 1, Royal Italian, nouveau de Cherish Narang. Le 2, Seattle Kid. Le 3, Silken Prince. Le 4, Prince of Venice, nouveau de Patrick Mervin. Le 5, Sir Bernardini. Bernardini, le 6 de Hit Factor, nouveau de Rajramdin, le 7 Shadowing, le 8 Abdik, le 9 Liverpool Champ, nouveau de Gilbert Roussette, et le 10 Dropkick de l'écurie Vincent Allette, et finalement le 11 de Byzantine, qui est l'Emergency Accepteur de cette épreuve. Kanen, un petit mot rapide sur le probable déroulement de cette épreuve. Vous n'avez pas ou pensé d'une course pareille ou bien. Et non pas Rodas ici, donc n'oubliez pas des informations importantes. Ah oui, oui, le time factor. C'est time factor, donc dans la quatrième course, c'est Kenny Apple qui a le meilleur temps devant King of Tara. Et malheureusement, si Silver était titulaire, les courses, c'est lui qui prenait le meilleur temps. Et côté infiltration, nous trouvons que Siden s'est infiltré. Et Swagger Jagger est infiltré. Donc quand on trouve l'équipement Blinkers, Tongue Tie, d'infiltration, ça donne nous des années. L'intention. Donc déjà, nous trouvons dès l'intention d'entraîner de Cyril par rapport à Cyril Snan, par rapport à Samraj Maradia. Et Kendi Apple aussi finit infiltré dans sa lépouse. Effectivement. Donc c'est. Monsieur Pérez, prend bonne note. Nous excuse-nous. Nous nous rappe ce petit détail dans la course, voilà, dans la course précédente. Kanen, cette cinquième course, Motivé Diali, vous pensez qu'il y en a beaucoup pas ou est-ce que vous pensez qu'il y en a peut-être un seul front-runner ici? Moi, pensez, moi, Shadowing, s'il y a insisté, il peut aller devant. Mais c'est moi quand même, il y en a trois front-runners de salle de course. Il y en a Prince of Venice qui est un cheval de 1000 mètres, qui a gagné devant. Il y en a The IT Factor aussi qui n'a pas. Et il y en a quand même le spécialiste du 1000 mètres, du 990 mètres à Maurice. Lié, c'est, en fait, c'est Shadowing.
La dernière fois, quand il gagne plus 1400 mètres, il montre qu'il est plus rapide qu'Emerald Ben, par exemple. Il prend le 20 foulées, il prend 2000 longueurs, l'Emerald Ben. Et donc, pour moi, Rai peine à trop le choix avec Salamina. S'ils ont envie de donner un sens au cheval, c'est qu'il insistait puis il y a le devant. Effectivement. Donc, vous pensez donc qui Shadowing capable à le devant. Nous prenons tout de suite connaissance de la cote des partants dans cette épreuve. Donc, Canen, nous vous constatez que Royal Italienne est un gros outsider côté à 2500 roupies. 320 pour Certel Kid, 1200 pour Silken Prince, 370 pour Prince of Venice, Subenadini 2500 de Hit Factor 1400 roupies. Shadowing est coté à 320 roupies. Ensuite, Avdic 550, Liverpool Champ 1200 et Dropkick 1400 Liverpool Champ qui est monté par Nishal Tia. Donc, Canen dans sa course là, deux chevaux bien cotés, deux chevaux qui sont co-favoris de cette épreuve, Seattle Kid et Shadowing. Peut-être la cote l'y arbitrée par ce numéro 4 Prince of Venice qui est coté à 370 roupies. Vous pensez personnellement que ces chevaux vaut la cote? Par rapport à ce qu'il nous trouvait l'entraînement, oui. Et par rapport à Shadowing, ce ban de course qu'il fait, ce dernier course qu'il fait, par exemple, derrière Blackburn Rock et Kamadeva, et oui, vous pensez la cote-là reflète la réalité par rapport à la qualité de ce ban de cheval-là. Et Shadowing, nous vous a dit hein, qu'il est étincelant à l'heure des galops. Il y a beaucoup de travail et c'est pas un hasard qu'il ait perdu 5 kilos sur la balance. Oui, effectivement, Thierry Shadowing, ce matin, il montre qu'il a envie de galoper. Et donc, pour moi, la ligne, s'il gagne la première ligne ou la deuxième ligne, c'est un bengal dans les courses. Mais la dixième ligne, il peut toujours quand même bien travailler un petit peu. Mais moi, mon corps raille, s'il fait ce homework bien, le fait que Prince of Venice, c'est un cheval qui galope 1000 mètres en Afrique du Sud. On va trouver, par exemple, Samraz Maradia pour demander est-ce dans voilà, la montagne. Connaissant Samraz Maradia, pas obligé de l'étiquette à mort sud, l'icône Shadowing, l'icône vitesse Shadowing. Et est-ce qu'il se le point de coupe gauche devant tous les deux? Nous ne connaissons pas ce que faire, mais pour moi, si Rai insister, je pense que Prince of Venice pour bien laisser aller. Donc, finalement, Shadowing à 320 roupies? Oui, c'est une bonne bête par rapport à ce que les courses, comme on dit, il n'y a pas de très combatif dans la ligne. Mais quand même, quand nous. Il y a des affaires qui trottent dans mon tête. Tout le monde peut dire, par exemple, qu'Emerald Ben, c'est le détenteur du record des 990 mètres à Maurice. Enrico, pas de sitôt pour pouvoir casser. Emerald Ben, qui est probablement le vainqueur potentiel de la Lightning Cup cette année. Mais Shadowing battait des fois. Sur cette distance. Shadowing battait des fois, mais Shadowing, à chaque fois, il peut arrêter. Donc, il n'a jamais été testé sur 990 mètres à fond. Et vous remarquez, Shadowing, quand il gagne, comment il met devant 800 mètres Mais vous remarquez, ce jockey, c'était le jockey Martinez qui a monté dans la ligne droite, et easy. Donc pour moi, ou peut-être moi, Emerald Ben, le vainqueur potentiel de la Lightning Cup, mais pourquoi pas Shadowing? Mais je vous disais qu'il y a un point. Effectivement. Et dans cette course, Canen Seattle Kid, offert à 320 roupies également, qui est le co-favori de cette épreuve, Enceval, qui, comme à son habitude, il montre lui très entreprenant à l'entraînement. Oui, entreprenant à l'entraînement, mais tiré aussi de temps en temps. Donc pour moi, il y a un peu sensé dans Salé Koussa qui quand même a trois chevaux qui galopent devant. S'il n'a pas dans Salé Koussa, si par exemple Prince of Venise ou même IT Factor et Shadowing mettaient le premier escapoté au 1000 mètres pour essayer de gagner la couronne, et donc ça peut avantage le définition de la course. Et parmi, c'est Seattle Kid. Seattle Kid est très très bien à l'entraînement, Thierry. Et vous pouvez remarquer au niveau infiltration, il y a trois chevaux qui infiltrent dans Salé Koussa, c'est Seattle Kid, Shadowing et Dropkick. Et l'autre finisher, il a aussi le meilleur temps facteur, c'est Avdic. Tu es en train de mettre un drop avec lui. Et moi, Avdic, tu peux causer la dernière fois, mais tu peux attendre à garder 46. Mais là, il vient de mettre dans sa course, peut-être de venir pour la prochaine fois ou les circonstances risquent. Mais risque de l'avantager s'il amène beaucoup un coup gauche devant. Mais il nous reste toujours le problème du fitness de Fournier Hopper. Ce sera la deuxième monde de Hopper. Voilà. C'est ça, le fitness de Hopper et c'est une point d'interrogation. Canen, on n'est pas capable d'appeler Royaliste qui est le roi Thierry, il nous connaît au sein de l'écurie Mingos, même vous êtes pensé qu'il est au feu, et même un jockey qui fait comme ça, il y a un jockey d'expérience qui peut dire normalement au feu, qui a fait tout qualité d'exercice qu'il a envie, mais là pour lui retrouver son fitness, il vous prend au moins 2-3 semaines. Effectivement. Canen, Motipédiali, dans sa course là, nous constater qu'il est capable, peut-être des circonstances de course, peut-être dans un premier temps capable et n'a pas, ou peut-être pas pour n'a pas, et Shadowing par le devant, tu sais. Et Dropkick, c'est un cheval qui est bien galopé pour sa première sortie l'année dernière, Eye Catching One.
avec Aline Roy, l'année dernière des Arabian Air, une longueur 60, si je ne me pas trompé. Dropkick, nous constatons que depuis le début de l'année, Ben Ofedep est monté un peu souvent. Ben Ofedep et Sunil Bassant aussi. Oui. Donc, ils travaillent très bien à l'entraînement. Et Nali Carfonchi, en fait, qui travaille très bien. C'est des chevaux de l'équipe qui sont un petit peu. Mais connaissant Vincent Allette, je pense que moi, Dropkick, ce n'est pas sur les courses. Pas le drop. Pas le drop des points pour la prochaine fois, peut-être. Effectivement. Donc, Canen, Time Factor, ça les courses. Time Factor, c'est Abdek qui devant le tout. Donc, à cause de ça, je vous dis, si jamais il n'a pas devant, nous vous disons, regarde Abdek, pourquoi ce faux, je ne suis pas oublié ça, Galo qui dit, fait qu'Endercover Agent à l'intérieur d'Endercover Agent. Donc, si Ricky Mengon décide pour mettre dans ça les courses, ça, probablement, il prend ce sens, le faux qui était actuellement. Effectivement, donc sinon, Shadowing reste une bombette à 320 euros. Oui, mais nous venons quand même payer ça cheval-là qui vient travailler. C'est, en fait, c'est Lee et Swagga Jagger qui sont les deux meilleurs chevaux de l'écurie Samraz Mahadjak, de l'écurie Patrick Mervin. Mais avec Samraz Mahadjak, qui donne un gros coup de main là-bas, qui nous en fait ce tiers de co-entraîneur finalement. Et oui, il travaille très très bien. C'est un cheval qui nous coûte quand même 200 000 rand en tant que yearling. Et si vous regardez bien, quand vous regardez le form grid par exemple, vous trouvez que c'est un cheval qui appartient à Vishal Ramana et son camarade dans l'Afrique du Sud. Et oui, Prince of Venice, très estimé au sein de l'écurie Mervin. Mais moi, je préfère Gately par rapport à la distance. Voilà ce qui est dit pour cette cinquième épreuve. Canen nous passe à la sixième course maintenant, le Fanny Cup. Elle est course sur 1450 mètres, benchmark 31. Donc, nous rappelons que ça allait courser initialement, tiens, à 21 partants. Donc, finalement, à cause de 14 écuries représentées dans cette course, les courses split en deux. Raison pour laquelle nous prenons 9 courses au programme cette semaine. Donc, la sixième course et la neuvième course, c'était une seule course au départ. C'était la septième course dans les entrées. Mais, donc, là, les courses se split en deux. Allez, cette sixième course, le 1, Crazy Charlie, le 2, Carlton Heights, le 3, River Thames, le 4, Thomas Henry, le 5, Well Connected, le 6, Adamo, le 7, Supreme Orator, le 8, West Coast Warrior, le 9, Zodiac Jack. Donc, Canet, 9 partants dans ces courses-là. Et des courses qui paraissent compétitives. Hein. Oui, effectivement, Thierry, en fait, on a le pour éliminer, pour diviser ça de l'écoute, ça, c'est le mode, c'est le système odd even qui finit utiliser. Donc, nous retrouvons avec Crazy Charlie et Thomas Henry dans même les courses. Et vous pensez que si ça qu'une salle de courses, c'est beaucoup plus intéressant, peut-être. Effectivement, des deux courses de benchmark 31 1450 mètres, vous pensez que c'est la course la plus difficile, hein? Bien sûr. Allez, nous prenons tout de suite connaissance de la cote des partants dans les courses là. Le 1 Crazy Charlie côté à 260 pompiers, Carlton Heights côté à 650, River Fames 900, Thomas Henry 250, Well Connected 500 roupies, 3000 roupies pour le 6 Adamo, le 7 Supreme Orator 1200, West Coast Warrior 2000, The Jack Jack 1200. Crazy Charlie, Thomas Henry, ce sont les deux favoris de cette épreuve Canen. Peut-être nous prenons Thomas Henry, 250 roupies, c'est lui le favori de l'épreuve. Un conseil qui vous pensez justifier ça la cote là? Justifier par rapport à les espoirs qui regardent dans le Thomas Henry et par rapport à ce dernier performance. Il a gagné le 980 mètres, après il est venu le gagner. Mais il a gagné un peu laborieusement aussi dans sa course. Mais il a bien travaillé, très bien travaillé en entraînement. Et ce forme, et vous pensez, oui, peut-être la première victoire du jockey irlandais. Oui, il refait 250 roupies, c'est un prix normal pour moi dans sa Lécosa. Crazy Charlie aussi, pareil, 260. Oui, Crazy Charlie. Oui, Gabatek Double Game et Crazy Charlie. Donc, Double Game, Pégalo plein rating là-haut. Et Crazy Charlie, Pégalo plein rating de 31. Pour moi, dernière fois, il est piégé. On me dit, Fédère prend le first one, Loli. Mais moi, Crazy Charlie, si je peux choisir entre Crazy Charlie et Thomas Henry, je une préférence pour Crazy Charlie. Parce qu'il montre qu'il y a un peu plus. Il progresser probablement. Oui, c'est un cheval qui d'ailleurs une table d'obligé à l'entraînement. Hein. Ouais. Donc, avec un excellent galop. Oui, quand il fait 5 ou 12, en fait, et très facile pour remarquer. Et voilà, avec Nourish. Et Nourish, pas de quitter ce cheval-là à l'entraînement. Et souvent, on travaille sur les bords extérieurs. Et vous mettez, très facile. Et pour moi, le forme, il est vrai que Thomas Henry. Très estimé et nous penser, oui, il n'est pas loin, mais moi, préfère Crazy Charlie par rapport à Nourish Jack là. Effectivement, donc Crazy Charlie, à la fin de son travail, qui avale la nous indienne, il avale la montée. Et autour, Nourish en position aérodynamique sur ses balles, donc ça montre qu'il n'a aucun effort pour faire. Canen, dans sa course-là, nous trouve également une course bien cotée. C'est Well Connected, offert à 500 roupies côté SMS Foyaz. Il mérite du premier couloir, mais c'est une cheval qui n'a beaucoup, beaucoup de travail dans les jambes, et nous constater également sur la balance,
Il nous prend 24 kilos, c'est qu'il ramène lui vers son poids de forme. Effectivement, Thierry, Well Connected, pour moi, si moi, je suis fils, si moi, je fais une bête pas loin de favori, ça, les pour ça, mon poids, le Well Connected, je vous dis, qu'il fait. Parce que si vous remarquez, Well Connected, comme on dit, ou même, il se perdit beaucoup de poids, il se perdit beaucoup de kilos quand il se gagne sur la fièvre. C'est un cheval qui se fait très bien en début de saison. Et vous pouvez remarquer, là, il est descendu en classe, il est venu dans une trentaine. Donc, il est compétitif dans 41, il est compétitif dans 36. Là, avec révision rating, et vous pouvez remarquer la dernière fois, ce dernier pouce qu'il a galopé la saison dernière, Vincent allait dans l'unité d'un benchmark de 46. Pourquoi Vincent, tu peux envie assurer qu'il, oui, Morgan, bon rating, Morgan, bon poids dans le prochain des pouces 31. Et c'est très important par rapport à Well Connected, c'est un cheval qui fait une barrière travailleuse cette année-là. Deux barrières travailleuses. Donc, il y a un gros avantage par rapport à les autres. Et moi, mon corps, si Fédéa a mis de monter, c'est un peu pouce à ces voiles-là. Et Thierry, si vous êtes les pouces, ça, il y a deux chevaux à garder devant. Rivetté et Well Connected. Et moi, je crois avec la première ligne, si Well Connected a le devant. Fédélis aussi dans ça. C'est la raison pour laquelle il passe à débarrasser. Il sortit bien. Il sortit bien. Donc, pour moi, si Fédé. Mais quand il rate des pas avec Fédé là aussi, on ne peut pas comprendre que Fédé rate des pas, ça se joue là. Et il termine très bien après. Hein. Mais voilà, si Well Connected a le devant et Rivetté ne pas insister, pour moi, et Thomas Henry. Et Crazy Charlie pour bien travailler et Medjut peut-être à la hauteur de Seattle Kid pour venir répondre Well Connected à ça. C'est un cheval qui a bien sur Frisier aussi. Donc, mon poil pour Well Connected, quand même, peut-être une surprise dans ça. Effectivement, Limon peut mentionner Seattle Kid, justement, pour cette nature fils qui peut écouter nous. C'est la révision de ça de Well Connected l'année dernière, quand il a battu avec Seattle Kid là, avec cette course éprouvante qu'il a gagné là. Donc, time factor dans ça, les Kanen. Oui, en fait, en fait, ça des chevaux-là, comme on dit, de favori les courses, il n'y a que 5 centièmes entre Thomas Henry et Crazy Charlie. Au niveau avantage, hein? Avantage à Crazy Charlie. Et sinon, mon cheval infiltré? Un seul cheval infiltré, non, c'est Supreme Writer. Pourquoi, dernière fois, quand Rat, je peux causer dans nos émissions vendredi dernier, oui. Il y a un cheval qui bien suivre. Il paraît, apparemment, ce qui me comprend, c'est qu'il y a un problème au niveau sur les foires qu'ils ont traitées, mais pas trop connu aussi. Mais en tout cas, nous trouvons ce cheval-là très, très ardent à l'entraînement. Oui, moi, mon corps, il me faut bien que tu viennes, Thierry. Au niveau du betting, Canen, Crazy Charlie win, Thomas Henry win ou Well Connected win? Je parle pour Crazy Charlie ou Win, mais surprise, si il y en a dans la pour ça, et si il sort de Star, comme on dit, il y a le devant, Well Connected. Voilà ce qui est dit pour cette sixième épreuve. Nous passons maintenant à la course principale de cette journée de Noble Salute Cup et les courses de groupe 3 sur 990 mètres avec seulement 6 partants. Le 1, Rule the Night. Le 2, Virtue. Le 3, Rob Roy. Le 4, Golden Trot. Le 5, Kamadiba. Le 6, Quattro 5-6. Des nouvelles unités dans cette course-là, le 4 Golden Tractor pour Simon Jones et le 6 Quattro 5-6 pour Patrick Mervin. Kanen, je pas envie de manu tactique en les courses pareilles parce qu'il has from the word go en 990 mètres, il roulait. Ouais. Donc, pour n'a pas, c'est sûr dans cette course-là. Kanen, quand nous guettons les courses pareilles, par exemple, nous dire Roll the Night, un cheval qui l'année dernière, qui, en début d'année, qui est miné par des ennuis de santé. Ligne galopée lors de la première journée sur 990 mètres, battu par le Mariachi, Enceval qui, cette année-là, pas de mini pour des ennuis de santé. Pas du tout, Thierry. C'est, en fait, si vous voulez bien, Rule the Night. Première affaire, Thierry, quand vous êtes les coussins, il y a 6 chevals, il y a au moins 5 chevals infiltrés dans les coussins. Donc, personne ne peut venir badiner, tout peut venir galoper pour gagner les coussins. Et au niveau temps facteur, Thierry, surprenant, c'est Kamadeva qui a les temps assez clairs devant Rob Roy et Rule the Night. Moi, un petit peu, je suis appris par rapport à ça. Par rapport au poids, peut-être, non? Peut-être, mais de temps en temps, quand nous gagnons des temps comme ça, je me rappelle l'année dernière, nous gagnons des temps comme Bass City devant tout le monde. Et quand nous gagnons des temps comme Hano 990 mètres, des fois, il est réflecté dans les courses. Sinon, Thierry, où tu peux cause Rule the Night? Peut-être avant nous cause Rule the Night, nous peut-être guette la cote des partants dans ces courses-là, nous constater que dans cette épreuve, beaucoup de. Enfin. Les deux premiers se tiennent de près au niveau de la cote. Rule the Night, Virtue, tous deux côté à 300 roupies. Ensuite, on arrive avec Rob Roy, 570. Golden Tractor, le nouveau, 550. Kamadeva, côté à 500. Et Quattro 5-6, l'autre nouveau, côté à 2000 roupies. Donc, Rule the Night, Virtue, co-favori de cette épreuve. Quelle est l'interprétation, tout d'abord, au niveau de la cote? Rule the Night, Virtue, Juglal, Bachamien. Il n'y a pas de sens, on sait. Et pour moi, la classe de Rule the Night, comparée à Virtue... Puis la photo.
Et il y a des affaires qui peut-être, ben, vous mettez en considération. Et qui va jamais apparaître sur Non, le c'est disque, le non? compression overweight qui plus à l'avantage de Rolls-Royce. Si vous regardez bien, et quand vous regardez l'écart de rating qu'il y a entre Rolls-Royce, Rolls-Royce, Vertu, Kamadeva, ce moment-là, voilà, tu faisais sortir beaucoup moins de Moins de poids. poids. Donc, quand vous regardez, par exemple, Rolls-Royce à Rolls-Royce, c'est Rolls-Royce qui a l'avantage. Rolls-Royce peut sortir 4 kilos plus par rapport Alors à qu'il faisait sortir sortir. 49,5 Voilà. kilos. Donc, quand on prend ça en considération, le cheval à battre dans sa découverte, ça reste Rolls-Royce. Effectivement, Roll the Night. Donc, Canen l'année dernière, Multipédiali, Roll the Night, battu lors de la première journée par Almayachi Canen. Justement, nous guette ça les courses références là. Et pas oublier Thierry qui est Rolls Knight, tu peux venir après décoller. Effectivement, avec des Décoller, sérieuses ennuis de décoller en santé. santé. C'est un cheval qui a un gros léqué, l'icône de Sean Moss maintenant. Et pas oublier qu'il débute sa carrière, Maurice, à l'âge de 3 Alors, ans, nous avons là, il y a poste 6 ans. Almayachi. En deuxième position, c'est les Barbarax Street. À son extérieur, Wool Tag. Ensuite, Roll the Night. Et les autres, bien évidemment. Donc, Roll the Night, malgré son lourd handicap, reste à l'extérieur sur tout le parcours. C'est un grand cadre. Donc, il fait ce move. Je regarde bien, les forces sont à C'est 2,50 m deux. aussi, donc. Voilà. Mais Donc, ce n'est qu'à pas m'amener ensemble pour le table. Des chevaux plus génériques qui vous permettent de gagner. finalement, les deux, qui est pratiquement les co-favoris de Mais quand l'épreuve, vous êtes nous allons l'écart qui. sous-estimer Armati, Bouillard. voilà, ouais. Mais quand vous êtes l'écart qui Rosenat prend au tournant, c'est peut-être là que Armati qui peut aller. Mais pas oublier, quand on vient après décoller, qu'on fait des courses comme ça, avec Walter qui vit peut-être beaucoup plus vite. Ça montre où va aller Rosenheit. Rosenheit, c'est un cheval qui, quand même, des fois ici, le 990 mètres. Et si, en fait, si saison, tu démarrais en morse, Rosenheit, pas tu vas ça les courses. Tu vas la course prévue pour la deuxième journée. Mais là, son entraîneur décide de mettre dans les courses. Et Thierry, on a vérifié. Mais m'a dit dans nos émissions, tu peux dire qu'il n'est pas trop content Rosenheit, là, montant. Mais en fait, quand matin, quand on peut rétiquer, on peut réaliser finalement qu'en fait, si on regarde sa boucle là, il y a beaucoup de sable. Et entre le poteau du 1200 mètres et Pete, on a beaucoup dit ça. Peut-être pour ça qu'il nous trouve un petit peu poussif, mais après, Accompagné. quand il retrouve son momentum, il Une allait déroulée. dérouler. Donc, ce forme qui était par rapport sur les courses d'Almarati, pas oublier ça, les courses à tirer. Il peut revenir après une collègue. Il termine les 600 derniers mètres en 33,65. Donc, est-ce qu'il me pose la question, moi, vraiment, la question par rapport aux années, me pose la question. Si tu es là pour choisir entre Rosenheit sans l'année là et Rosenheit qui vient d'aller aller pour ça, est-ce qu'il y a une photo? Pas photo, c'est rôle de nade de Rosenheit. Satan. Voilà. Bien, Donc, bien nous évidemment. parlons pour Rosenheit parce qu'il m'a pensé avec 2,50 m et nous risquons n'est pas. Et nous risquons. Oui, justement, Mouchpoubino là, quand même, sixième couloir pour Roll the Night. Y a une partie? Pas trop quoi, dans le sens qu'il y a les coussins, il existe 6 chevaux, donc les coussins pour rouler. Et il connaît qu'il y a pour suivre Banqui devant et. Mais Diagla m'a pensé, entre 600 mètres et 400 mètres, les Boubizins, Guitencourt, Côte-Saman, ce là était devant lui. Il ne fallait pas une trop longue distance aussi. Parce qu'il donne une ligne droite, quand même, 60 kilos, il est capable de peser. Mais si il tournait à 300 mètres, il y a maintenant, comme il était ici, il sont zippés sur ce cheval dans les droites. Quand Bizin, vous pensez que Rosanna peut terminer plus fort. Roll the Night veut-tu nous compenser de la cote? Ou pensez, il pas make Non. sense qui veut-tu même la cote qui roule the Night alors qu'il roule the Night est bien meilleur Bien sûr. cheval d'après vous. Nous venons à maintenant mettre chevaux un peu plus en bas au niveau du handicap. Robreuil, un coursier qui provient d'un très léger handicap, 53,5 kilos, 570 roupies, un betting proposal ici? Bon, je suis content de Rosenheit, donc je ne peux pas dire au Roboy une betting proposition. Mais Roboy, c'est un cheval, si vous remarquez, Thierry, il est là depuis 2 ans, 3 ans, il n'a pas gagné Oui. le premier sorti. Donc, peut-être Nous avons cela en en considération. considération. Mais si nous guettons cette année-là, vous trouvez peut-être qu'il l'entendait Vincent Arlette, il target ça les courses. Parce que si vous guettez le calendrier après, pour les 8 prochaines journées, peut-être les courses par rapport à son rating Qui qui est commence énorme, tout côté galopé. rouler. Donc, les bienvenus, ils prennent ce sens dans les courses. Mais peut-être les parties pensées qui roulent de pour une allure d'après moi. Un petit mot encore sur ce nouveau Golden Tractor. Nous peut dire beaucoup de bien sur ce coursier-là, un coursier qui gagne 3 victoires sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Oui, effectivement, 3 victoires et c'est un coucher, moi, pensez moi, qui galope mieux dès leur hier. C'est un backmarker. Je ne pas trop connaître, peut-être, je connais avec Benny Houlouet, ben, c'est pas sorti bien. Et les risques sont très vite parce que c'est fraîche. Et c'est un joueur, mais c'est moi, par rapport à Golden Tractor, pour moi, il n'est pas galopé assez longtemps. Il a visité les courses en 2020.
Et je connais Golden Tractor, je suis supposé venir Maurice depuis pour la saison dernière. Mais quand il fait son vaccin, il y a un problème, il vient de rester là-bas même. Oui, c'est un cheval qui appartenait déjà à Gavin Glover en Afrique du Sud, excellent camarade. Et c'est un cheval qui gagne trois les courses, comme on va dire. Mais vous pensez, ne vous avez pas brûlé les étapes avec Golden Tractor. C'est un très bon cheval qui fait très bien l'avenir. Et est-ce qu'il a gagné ça les courses ça? Selon toi, je connais, je pensais que oui. Mais moi, je ne suis pas trop content. Les motifs contents Golden Tractor, série en bosse. Oui. Mais. Je suis content Golden Tractor par rapport. Le confinement, il n'est une pêche en n'est pas vrai. Je suis content Golden Tractor par rapport à Padre Pio à ce moment-là. Parce que tu es ce type galop du CES. Mais pendant le confinement, et c'est qu'il m'a trouvé un petit peu à l'entraînement, à part ce galop qu'il me fait Bardi, et il n'est pas trop comme si. Excite-moi. Il faut moi penser qu'il dit qu'il a gagné ça les courses. Donc vous préférez Gately. Moi, je préfère Gately, c'est pareil. J'ai tout qui. Et comment on dit, oh, et. C'est un cheval qui vient mieux de l'ordre. Si vous remarquez, en fait, je sais qu'il y a cette forme, errer peut-être sur l'entraîneur de faire au départ, c'est égal que with the pace. Mais après, je réalise que c'est un sens tactique. Il can follow and fire. C'est un cheval qui termine souvent dans les 22 secondes en Afrique du Sud. Making galop. Mais là, c'est un grand cas de canen et nous, la ligne droite assez courte. Oui, mais comme vraiment, qu'on a fait aussi tirer à l'entraînement. Et comme un get so fish, c'est un cheval qui a beaucoup le man la piste anti-clockwise là-bas. Et aussi dans la piste droite. Donc, peut-être, quand même, moi, au moins, si tu es un autre entraîneur, par exemple, tu m'as bougé de là, tu peux donner sur l'entraîneur. Par exemple, Marie-Kimé, on fait aller Jikli d'abord, après, peut-être. Rapidement, un petit mot sur Kamadeva dans sa course là, à 500 roupies. C'est la première fois Maurice qui galope le sa distance. Oui, Michael, tu as tout à fait raison, m'a dit que je fais cause Kamadeva. Et par rapport à la transition et l'entraînement qu'il vient pour ça, les courses là. Et. Thierry, comme on dit, oh, comme on est un facteur, je suis appris. Pour moi, après ça, je choisis Rules and Night, mais moi, le danger reste comme Kamadeva dans sa carrière, par rapport au Time Factor. Donc, Time Factor, dire Kamadeva, où c'est qu'ils ont trouvé, et d'après les valeurs dans sa découverte, où dire Rules and Night reste un bon betting. Oui, surtout que par rapport au Weight Compression, que tu l'as avantagé, et pour moi, mon Rules and Night, c'est Rules and Night à Maurice. Effectivement, donc ce qui est dit pour cette septième course, nous parlons rapidement vers la huitième épreuve de Dianan de Yal Cup, une course qui déroule sur une sprint encore, 990 mètres, rating 0,25 avec 7 partants. Le 1, nouveau de Preterm Demi, Coup Foliute, le 2, Hardwired, le 3, Straight, le 4, Duke of York, le 5, Golden Stone, le 6, Midnight Oracle et le 7, King's Empire. Alors Canen, 990 mètres, encore une fois, nous dialyse souvent, tout le temps, as from the word go, les courses là pour les. À l'exception peut-être de Midnight Oracle qui est très très lent au départ. L'image saute ici des temps. Voilà, donc probablement lui, il va être outpace durant la course. Mais sinon, Man Porton là, d'après vous, si tu es d'assez près ou bien prenant quand même une certaine gap entre Man Porton? D'abord, Thierry, au niveau Van Chauvel qui est dans sa dépression, vous trouvez qu'il y a trois chevaux infiltrés, c'est Coup for Lutte, Hardwire et King's Empire, donc le favori là-dedans. Mais quand vous êtes les coups, ça, par rapport à ce cheval-là, par rapport à la performance Hardwire, là, ce dernier sorti, oui, il est le cheval à battre dans sa dépression. En fait, quand vous êtes les coups, ça, vous trouvez Hardwire quelque part. Mais laisse-nous guetter un coup, la cote des partants dans les coups, ça, est-ce qu'il nous trouve seulement Hardwire au niveau de la cote? Alors, Coup Foliute, côté à 600 roupies, c'était à l'ouverture des paris. Hardwired à 270 roupies. Straight à 360. Duke of York, 390. Golden Stone à 750. Midnight Oracle, 2200. Et King's Empire, côté à 2000 roupies. Ça, c'était à l'ouverture des paris. Monnaie de pointage maintenant à 7h30. Côté Coup Foliute et a été joué dans cette épreuve. Il est désormais coté à 400 roupies. Coup Foliute, Hardwired. Également, un coursier qui est très, très prisé dans sa course-là, Canen, côté à 230 roupies. Donc, 270 à l'ouverture, 230 roupies désormais. Canen, c'est le favori de cette épreuve. Est-ce qu'il, vous pensez, les justifier, ça raconte? Par rapport à Hardwire, le cheval, oui. Mais par rapport au jockey... qui peut montrer Hardwire, peut-être la cote un petit peu trop fort pour moi, qui ne m'a pas trouvé un service à prendre le risque, à jouer un jockey qui pas encore gagné les courses, Maurice. Et moi, mon idée... À 230 roupies. À 230 roupies. Donc, moi, pensez, moi, Kali Saran, oui, il n'y a pas de mauvais jockey, comme on dit, critique, il y a un jockey qui m'ont bien, finalement.
Peut-être qu'il faisait sa... Un manque de confiance, peut-être. Mais peut-être qu'il faisait sa première victoire-là pour qu'il n'y ait pas gagné ça, élément de confiance. Oui, mais le problème, c'est qu'on montre Ponchana qui est favori, ou bien Baté. Là, on montre Hardwire qui est favori encore, quand on perdit du monde pour critiquer. C'est pas peut-être la meilleure des choses qui arrive, ça m'a dit. Bien, si il gagne, c'est une très bonne affaire. Oui, moi, je veux dire, le forme, c'est voilà, l'entraîneur par rapport à ce travail de mardi à l'intérieur de Hakim. Pour moi, oui, il y a des chevaux à battre, mais je ne vais pas conseiller un tiers moi, à jouer Hardwire à sa prix-là avec Alice Arandé. Personnellement, Hardwire à 230 roupies, qui prix ou pensez dit il vaut la peine pour jouer Hardwire? Bon, je ne vais pas mettre la cote pour jouer pour je te risque. Donc, pour moi, peut-être à 400-500 roupies. Par rapport au champ, 400-500 roupies, vous pensez? Oui, par rapport au champ. C'est bon, par rapport à cheval Hardwire, oui, je trouve cheval là gagnant. Mais par rapport au jockey, motiqué. Et donc, il est le cheval à battre par rapport à sur les courses dernière fois. Ben, laissez-nous guider justement sur les courses de la dernière fois, Canen, pour nous capables mieux cerner sa course. C'est la Hardwire qui tirait hérite du 7e couloir. Nous trouvons lui avec la Kazakh bleue toc. Légèrement grise, si nous voulons dire, un peu à l'extérieur, c'est Buff Deboy qui vous lance les débats devant Djokov Yok et Hardwire se retrouve en troisième épaisseur. Ouais, et de l'arrière, mais dans l'année où vous trouvez, Buff Deboy, tu peux aller all out devant, ouais. Et comme d'habitude, là où tout l'intelligence du rang, on y connaît, Buff Deboy pour arrêter devant, donc on se fait ce move au bon moment. Tire flasher. Et dans l'année droite, pour service au cravasse, mais Thierry, c'est plus ban flic. Donc, ce n'est pas un coup de cravasse qui. Tapé. Et vous trouvez. Et donc, mais je vais l'accélérer quand même. Ouais. Et, pour moi, peut-être avec un petit peu plus de. Peut-être c'est des styles de rail sur Roman. Un petit peu plus de. Nouveau style. De points. Les parties pour payer ça, les pour ça. Et probablement, les parties pour gabler ça passe ça. Oui. Donc, si elle le jockey, peut-être même que. Oui. Mais avec Kali Charon, prudence. Oui, donc, c'est... nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas gagné. Oui. Mais mon préféré, Manchovis, nous applaudissons Kali Charan s'il gagne les coups, ça. Effectivement, straight dans cette épreuve qui change d'écurie, 340 roupies, côté SMS Foyaz, Canen. Oui, je ne suis pas trop content straight à l'entraînement, Thierry. Et ces derniers temps, surtout, vous trouvez mardi, par exemple, quand il travaille sur le jockey PVC, montrer lui cravasse. Donc, il est un petit peu paresseux, on va dire, à l'entraînement. Et je ne pas connaître sa joue qui peut-être les petits morceaux des d'épaule, qui peut jouer, qui peut-être moralement, il prend un coup. Mais c'est un bon cheval ici, straight. Mais, comment vous dire, si Kali Charan fait rire, oui, straight car gagne les courses, Golden Sun car gagne les courses. Je trouve également dans sa course Djokov Yok qui est très bien coté. Canen, il hérite d'une bonne ligne, Djokov Yok, la troisième ligne. Est-ce que c'est le Djokov Yok qu'on a l'habitude de voir ou bien c'est un Djokov Yok? Je trouve déjà au niveau de l'équipement, Santonen décide de garder sans le Noseman. Et Thierry Djokov Yok, Ziskale n'a pas fini de démontrer ce qu'il est qualifié de Maurice sous forme sud-africaine, ce qu'il est expect de lui. Et oui, peut-être Ricky Megan en coupe et road la bonne formule. Et probablement Djokov Yok capable à l'avenir être le prochain Green Flash Sunset. Et il gagne les courses quand tu joues pas à Tani et à partir de là, il y a un certain magnétor. Mais c'est, quand on a ce cheval-là, oui, ce cheval-là, c'était un beau gabarit. Mais il y a un petit problème qui besoin de régler ou qui pas tout, qui se calèse ou pas tout. Oui. Mais est-ce que Benjamin, il a joué le cheval-là, Thierry? Non, le moment, non pour le moment, il est à 350. Il est toujours, en fait, à l'entraînement, il n'a pas montré quelque chose à l'entraînement pour nous choisir du corps. Donc, pas comme un Hardwire, par exemple. Voilà, donc. Montrer quelque chose. Voilà, donc c'est pour une raison, moi, préfère. Moi, quand tu vois le table d'embolisier à l'entraînement, je dis oui. Mais, par exemple, donc, Golden Sound, l'île une table d'obligé. Oui, surtout ce Didé Négalo qui. Parce que trop rouler avant, en fait. Oui. Ce Didé Négalo, elle tient. Il parlait mardi, je me suis dit, je vais devant moi, je vais aller. Bon raté, bon raté, mon jet téléphone, mon camarade Saki est dans le restant. Je me suis dit, mais qui c'est qui me passait là? C'était Golden Sound. Donc, à partir de là, je me suis dit, je vais aller voir ça. Oui, et. À 750 roupies, côté de voyage, et 150 ici, pareil, Thierry, il est avantagé, tout comme comme Memphis Mafia. Il a gagné l'année dernière en 0,26 sur 365 mètres. C'était un non-win SD. Donc, il n'y a pas de point. Et donc, il est régalé de sa catégorie-là. Et ce prix paraît beaucoup plus intéressant, surtout au niveau de place. Et 195 moi, autres. Et donc pour moi, au lieu de jouer Hardwire à 230 roupies win, jouer Golden Stand, winner quand même, être soit premier, soit second. Voilà. Place. Voilà, 195 autres.
Effectivement, ce qui est dit pour cette huitième course, quand même, time factor dans sa course-là et infiltration? Time factor, c'est straight devant Gordonstown. Mais si vous n'avez pas comparé une sorte de collateral form entre straight et hardwire, c'est straight qui fait quand même un état de 55.50 et hardwire fait 56.24. Infiltration? Infiltration, coup for lead, comme on dit, il a joué, donc c'est notre indication. Coup for lead, hardwire et King's Empire. Sinon, Thierry, coup for lead, c'est très estimé. Oui, très estimé, estimé chez l'écurie des billes. Mais ce boy à trailleur, quand même, une décevant. Très green, parce qu'il est une job aussi. Et une rodarité. Et voilà. Donc, mais on remarque aussi quand il travaille dans la débandade, sur le PDI. Moi, peut-être lui aussi. Jeune poussier, hein. Jeune poussier, mais il y a des sorties de boy à trailleur, là, Thierry. S'il est sorti, il montrait l'autre caractère dans les courses. S'il n'est pas montré les greens, probablement. Et avec sa remise de 4 kilos là, il risquait pilote au poste. Mais moi, par contre, dis-moi. Mais n'espérez pas une bœuf des bruits. Espérons pas, ou c'est pas de mauvais terre. Voilà, effectivement, ce qui est dit pour cette huitième épreuve. Nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de cette journée de Mangalcan Plate. Elle est conçue sur 1450 mètres. Benchmark 31 avec 9 partants. Le 1, Why Wouldn't You? Le 2, Copenhagen. Le 3, Nimitz. Le 4, Perfect Pursuit. Le 5, Subtropical. Le 6, Double Think. Le 7, G.I. Joe. Le 8, Overdose. Et le 9, Starsky. Canon. 9 partants dans cette épreuve de clôture, on nous rappelle hein, qui c'est la course qui se split en deux, donc la sixième course et la neuvième course, c'est supposé une selle, ça, mais les split en deux, nous trouvons la sixième course beaucoup plus compétitive que cette dernière course, mais néanmoins, nous disons dire qu'il y a énormément de partants assez valables dans cette course-là. Tout d'abord, Canen, à première vue, vous pensez qu'on a beaucoup de parts dans cette course-là? Oui, vous pensez, Thierry, Double Think, surtout avec l'équipement du PMT. Et donc, pour moi, avec Barguerotti, avec Salanina, déjà l'entraînement, je trouve que c'est valable de tirer beaucoup. Donc, Barguerotti, ou Timetan Gallo, mardi dernier, quand il se fait avec Shadowing, vous trouvez son renne long, sur la bouche ouverte. Donc, il y a quelque part, il y a besoin de la gueule pour faire les gars des temps qu'il a besoin de faire l'entraînement. Et moi, tu préfères, moi, Double Think, débite le 940 mètres que le 1450. Et nous rappelle, hein, également. Mais Soubou, Soubou connaît qu'il peut faire, il a l'expérience. Monsieur Wallin, il travaille bien à l'entraînement pour lui. Et en fait, comme vous tous les pecs, moi, je suis surtout le dédié des semaines. Bon, on est peut-être des filles sur les courses, et peut-être pas des ou pas connaît, mais. Mais il y a tiré à l'entraînement. Pour moi, il risquait de perdre sur les courses de 1450 mètres. Nous constatons que l'autre les courses de l'année dernière, il dit un petit peu manque ce départ. Il passe une barrière trailleur le 27 avril dernier avec brio, yes, nous vient dire. Ouais. Si nous capables, peut-être propose la cote départant dans sa les courses pour peut-être juge un petit peu, voilà, Why Wouldn't You à 370, Copenhagen à 290, Nimitz 800, Perfect Pursuit 1600, Subtropical à 2700, Double Think à 360, Overdose 1200 et Starsky à 1600. Donc, nous trouvons dans les coussins Canen qui, Double Think est quand même bien coté par rapport à ce compte performance de l'année dernière et par rapport au fait qu'il y peut monter en distance. Oui, il est bien coté, Thierry, mais pour moi. Overvalue. Overvalue, définitivement, pour moi, par rapport à. Moi, je ne pas content, lui, et deuxième, il tire l'entraînement. Et mais il y a des peut-être sur 990 mètres. Non, il y a des affaires qui nous a respecté. Il y a des chevaux qui baissent en place, ça les pour ça. Tout à fait. Why Wouldn't You et Copenhagen, 370 et 290 respectivement. Canen, quand nous trouvons Why Wouldn't You, évoluant en benchmark 31, bon, c'est vrai que 1450 mètres, 61,5 kg, 6e ligne, peut-être pas les meilleurs voilà, les meilleures associations, mais ça reste quand même une poussée valable. Oui, d'abord, c'est assez rare de voir Ricky Mengor aligner un cheval avec 61,5 kg. Et bon, peut-être qu'il se met dans les courses. Hein, et si les courses ne sont pas split, il n'y a pas de cheval loupé probablement. Et vous remarquez aussi au niveau de l'équipement, il peut mettre un nouveau équipement. Voilà. C'est un Z que vous trouvez le programme. C'est un Z le programme. Compression mask qu'ils ont mis. Je vais expliquer ça parce que je trouve un cheval de Maradia Stockbridge qui travaille en Ham. Donc, je vais le prendre renseignement pour connaître qui était, qui l'a fait faire. Et ça m'a expliqué une aide, moi, évidemment, qui, en fait, c'est un équipement qui servait à Hong Kong, en Australie. C'est pour lui peser le ban point sensible de la tête cheval-là et faire lui mieux concentrer dans les courses. Est-ce que ça pour Edouard Ludio? Je vais le demain, samedi, nous disais, mais avec 61,5 kg, comme on dit, ou même, un peu difficile. 370, overvalue? Oui, mon pensée au revalu.
On arrive maintenant à ce numéro 2, Copenhagen, qui est offert à 290 roupies côté SMS Fayard dans cette épreuve. Il est monté par Bernard Federbe, quatrième couloir, Blinked Again. Et là, tout sur l'avantage arrivé Canen, plus 21 kilos sur la balance, alors que l'année dernière, c'est voilà, tu peux dégringoler, tu fais fun. Effectivement, Thierry, ça se voit là, l'année dernière, il gagnait à 436 kilos. Et quand il termine la saison, il termine la saison à 414 kilos. Des types visibles, tu trouves, voilà, une dépérie. Mais malgré ça, Thierry, quand il gagne sur 5 les courses dans B36, c'est jamais être ridicule. Donc, les petits gagnants en B31, ils gagnent 5 fois en B36, et souvent hors d'ordre. Et là, on peut trouver qu'ils sont en train de décider pour remettre les blinkers de sa benchmark en bas là. Pour moi, si vous êtes les courses bien, si on a une lecture de ça, les courses, probablement deux Wolfing poil devant. Et lui, il pourrait la position de la course. The run of the race. The run of the race. Commentateur en Congolais, petit Jerry, he will be smoking a pipe on the race. Ce qui m'a apprécié à l'entraînement mardi, c'est qu'il vous trouve, quand il peut faire la montée, bien offert, il n'y a que 20 cycles sur la main, c'est voilà, sans son pied. Donc, la montée, c'est voilà, bien sur la tête. Et c'est un cheval qui, bien offert, il monte très souvent à l'entraînement également. Très souvent à l'entraînement. Et comme encore, on dit, c'est une différence de suspension, c'est pas pour venir aider les courses, sans pour descendre. Canen à 290 roupies, Copenhagen dans cette course. Oui, moi bien content Copenhagen dans cette course. Pour moi, peut-être c'est mon choix de la journée par rapport à la baisse catégorie, par rapport au prix aussi. Par rapport aux blinkers, par rapport à qui peut gagner reine de la course. C'est un cheval qui est un gros léquier, ça. C'est un écoute quand il tient. Un petit cheval, mais gros léquier. Oui, quand il tient un écoute, c'est que Joao nous rappelle, c'est un cheval de basson. Tu viens avec lui, il donne une droite, il fight. Donc, c'est un gros qui galope 5 fois en 36. Ben, on dit à peine attendre quand même ce cinquième l'écoute, peut-être pour descendre, il fait qu'il gagne place dedans. Donc, il est déjà très compétitif là-bas, malgré qu'il ait perdu poids. Et là, on met tout à 36 et il prend poids. Pour moi, c'est un amancin qui prend en considération, qui pourrait faire une performance voilà, dans les courses. Canen, time factor et infiltration. Au niveau time factor, Thierry, c'est Perfect Pursuit qui a le meilleur time factor dans les courses. Mais pourquoi il y a un petit peu par rapport à sa préparation Perfect Pursuit. Et au niveau infiltration, non, Pédocan Seval, non. Pédocan Seval qui est infiltré, à part qu'il y a Z dans le programme pour Why Would You. Un compression mask nous rappelle hein, que Why Wouldn't You pour mettre les pour presser l'homme partie sensible de son visage pour ces balles-là capables mieux concentrer en course. Canen, nous passons en revue les 9 courses au programme. Est-ce qu'il nous peut beat the odds cette semaine-là, Canen, ou man best bets de la journée, Canen? Thierry Mopal, pour moi qui compte en suivre rating, un petit peu addict. Avec rating, je pensais que tu as fait ici depuis la saison 2019. Je suis devenu un petit peu addict de ces actions. Tax de rating. Mon poil pour Well Connected Thierry contre Thomas Henry et contre Crazy Vision, avec Crazy Charlie. Place bête pour cette journée. Oui, Thierry, moi, je suis bien content de voir mon numéro par rapport à ce travail, c'est Jetstream. Je pensais que ce prix qu'il peut vendre, c'est un bon place bête par rapport à ce qu'il fait derrière All About the Bass. Et s'il n'a pas de salle pour ça, il peut fire. Right in the mix, yes. Comment nous dire. Prenez quand on demande les courses pareilles, tu joues les nous. Dans les courses, personne n'a pas considéré peut-être que Jetstream est dangereux. Donc, ça quand même pour qu'il peut-être le danger de la course et lui casser un petit peu derrière ou dans les bras de Pévenu. Et quand Ogetli travaille lentement sur la tête bien droite, sous oreille bien dressée. Et vous pensez qu'il fait bon les courses. Effectivement, si nous capables repasser les best bets de Canen pour cette journée, pour qu'il ben, tu affiches par mot non nier. Sinon, Canen, comme pour la course principale, juste pour le jeu, mon envie de tirer le verre du nez, comment nous dire, pour la course principale, un choix dans sa légende, ça? Rules of the Night, Thierry. C'est Rules of the Night. À 300 roupies, code SMS Fayard. La classe de Rules of the Night. Voilà, à 300 roupies, code SMS Fayard. Voilà ce qui est dit pour ce premier numéro de Straight Forward. 1h temps et 30 minutes, alors que tu promets de nous pour faire l'émission dans 1h temps. Mais force est de constater que n'est pas possible.
Oui, si vous avez envie d'un ce maximum l'information, Thierry, et ce qui m'a content faire, par exemple, au niveau de l'équipement, maintenant, l'équipement est important, est un facteur important. Parce que si vous avez un magazine publié, parce qu'il est important dans l'Australie, par exemple, time factor, speed rating, j'utilise ça pour mettre la cote, pour faire un betting. Donc, il y a beaucoup d'éléments importants qui nous besoin, peut-être, nous, comme spécialistes, porter avec un office. Donc, il prend le temps. Vous pouvez essayer de réduire, mais des fois, vous connaissez. Comment vous dire, oh, il y a beaucoup d'informations, par exemple, là, qui nous pas à donner. Par exemple, dans la dernière course, il y a un cheval qui nous faisait un pire, c'est dire adieu. Et qui peut-être nous oublier que c'est Thierry. Et, mais c'est un cheval qui, pour moi, loin de ses 100 mètres, il pouvait faire bien dans une classe de 0,26. Mais l'ici, bien. Mais comment vous dire, oh, Copenhagen, c'est mon bête de la journée, en fait. Effectivement, voilà ce qui est dit pour cette émission aujourd'hui, cette première de Straightforward. Merci d'être resté fidèle avec nous en ce jeudi 13 mai. Bien évidemment, Canen, nous pouvons espérer qu'il will beat the odds pour cette semaine-là avec Well Connected et Copenhagen. Donc, vous mettez au Kazakh 20 fois à l'aide cette semaine-là avec Ben Orfeder à vos côtés. Merci à tout le monde qui nous suit. Nous, bien évidemment, on rappelle les rendez-vous à venir de demain. Demain, tir au sec à partir de 18h30 avec sur le plateau Michael Cheyenne, Abidjit et moi-même. Et à partir de midi samedi, ce sera Zo l'Écosse avec Abidjit, Kamlesh et moi-même sur le plateau. Michael Cheyenne, quant à lui, sera en direct du Champ de Mars. Merci d'être assez fidèles. Si je ne peux pas s'attendre, je vous souhaite un bon appétit, bonne première journée de course et bien évidemment, nous vous souhaitons, nous, mon confrère, deux fois musulmane, un Eid Moubarak. Ganen, un petit mot à rajouter par rapport à ça? Oui, moi, c'est tout, mon camarade, il y a beaucoup de camarades musulmans et tout, mon chef fils, mon internaute, Eid Moubarak. J'espère qu'il n'y a pas de décevoir dans la première course avec OPAC. Effectivement, voilà ce qui est dit pour cette première émission de Straightforward ce soir. Merci, bonne soirée à tous. Bye bye.